Bonjour à tous et à toutes. Oh, j'ai opéré ma voix, dis donc. Allez, on est parti pour un retour de course, Leclerc. Voilà, alors, de base, on partait pour quelques petites courses, mais ça a engendré. Enfin, voilà, ça va. À tout de suite. Tout de suite. Bah, de base, on a dit on prenait juste la liste de courses, mais la liste s'est rallongée, c'est bizarre. Non, mais donc, d'un petit carré comme ça, c'est descendu comme voilà, ça. Il y avait deux lignes de courses. On a payé combien? 130. Ouais, quand même. 130 balles. Bon, on a pris un peu tout, surtout pour l'apéro. Je ne pense pas, les apéros dilatoires, ça devient cher. À force. On a commencé par les gâteaux apéro. Ça longtemps. Mais oui, il y a longtemps. Alexis a pris ça. Les martiens, au jambon fromage. Tellement croustillant, hyper salé. C'est un peu comme les... Monster Munch. Ouais. Non, mais demande-moi. J'ai l'impression que t'as perdu. T'as eu un AVC, non? Non. Ah, c'est la boule. Je suis fatiguée. Je la fasse enlever, ma boule, j'ai peur. Les mini crêpes, ça c'est pareil, au bacon. C'est bon, ça aussi, ça croustille, ça. C'est ça l'apéro dînatoire, je vous le dis. Non, il n'y a pas que ça. Enfin, un petit peu. Hein. Du gruyère, parce qu'on n'en avait plus. Bon, faut savoir que ça, faut pas. Je peux pas le garder trop longtemps en fait. Déjà, ils mettent au congélateur, j'essaye de mettre la moitié au congélateur. Ouais, au pire. Ouais, mais t'as acheté le sac. Mais tu prends un sac machin. Donc on a pris un gros, hein, c'est 750 grammes. Ils sont à 5 balles. 5,70 je crois. C'est cher, Goyard, maintenant. Ah ouais, ils se font plaisir. Des petits feuilletés comme ça, les mentales aussi. La marque Pépère. Mm-hmm. Du jambon, ça c'est pour moi la semaine. Pour... Enfin, pas toute la semaine, il y a 10 tranches, hein, bien sûr, je précise. Mais. Ouais, deux. Les salades et puis pâté, je crois que c'est ça que m'a dit la vieille. Oui. Donc je vais alterner pour ma semaine de boulot. Sans coin, j'aime pas la coin. J'aime pas ça, c'est dégueulasse. Les gaufrettes au fromage, alors il y a plus plein de gâteaux comme ça, tu vois. Non, pas que ça. J'avais pas envie de chips, j'aime pas les chips, je suis pas très chips moi. Des petites boules au fromage. Ah, t'as trouvé des boules au fromage? Oui, j'ai aux tomates aussi. J'aime bien la tomate. Bon. Vous dites cacahuète enrobée au bacon? Donc ça c'est malade, caprice, c'est vraiment. C'est pareil, gourmandise, de ouais, bon, est... l'aérodinatoire, c'est ça. On n'est pas que deux. Hein. Crackers, des petites pizzas, pizza. Ça c'est bon ça, la marque Pépère. Ça c'est mon péché mignon ça, mais je suis obligé de le partager. Ah, t'as pas pris un gros paquet là? Il n'y avait pas. Ah. Il n'y avait pas. C'est chiant, faut partager, mais bon. Ça. Je le cache. Oui, tu le caches, le gars. Non, mais non, alors, avec tout ce qu'il y a, je pense que ça suffira de toute façon. Des petites crêpes pour Alexis pour 4 heures. Ouais. Il y en a des nouvelles chez Waouh, chocolat banane, je vais tester la prochaine fois. Au fait, on était à Romilly sur scène, ouais, je précise, à Leclerc. Bah, des gaufres, c'est pour mon 18, 20h. Pour Walking Dead, ouais. Profite, profite. 6 gaufres liégeois au chocolat. Mmh. Et elle en mange avec moi. Ouais, j'en prends une. Ouais. Des crêpes, elles sont toutes faites. Hein. Je sais, c'est pas nous qui les faisons. Oui, je oh là sais. Là. Ah là là, c'est pas bien. Mais il faut faire marcher le commerce aussi. Donc voilà, les crêpes, c'est super facile à faire, je sais. On adore faire les crêpes, mais là, on n'avait pas envie. Donc, non. Les crêpes tout faites, 3 euros, il y a 6 plus 1 gratuite. Donc on a pris 2 paquets. Donc ça fait 12. D'habitude, je les prends à Fontenette résinée, elles sont super bonnes. Là, mais elles ont l'air là... très bonnes aussi. Bah ouais, mais bon, je sais pas si elles sont sucrées. Ouais, elles sont nature. Elles sont nature, bah Fontenette aussi, hein. Ils font plus sucré, mmh. Donc voilà. Ça, c'est stop, c'est vite fait le matin. Mais pour les filles, pour le matin, c'est bien ça. C'est bien, ça. Mmh. Des yaourts, oui, il y a la yaourtière, mais des fois, changer, t'as pas le temps. Des fois, j'ai pas le temps. Des fois, t'as pas le temps. Hein. Voilà, donc là, c'est des yaourts aux fruits. Hein, Alexis qui a choisi. Oui, donc après, ils ébrouillent. Et là, c'est un lot de 12. Ça, c'est bien aussi pour 16. Faire des gâteaux yaourts. Ouais, 16 yaourts. Ouais. Des petits fromages blancs pour moi, pour mettre dans mes My Muesli. Donc voilà. Sucré, je prends sucré parce qu'il y a un peu de sucre le matin quand même. Des tulles, donc c'est comme les Pringles là, hein. C'est la même chose. Bon, c'est peut-être pas le même goût, hein. Bon. Oh, ça va encore seulement. Ouais, ça passe. Ta boîte, à mon avis, elles sont toutes dans le rayon. Dans le rayon, c'était toutes comme ça. Des curly, les ronds caramélisés. Ah, bon, ils sont trop bons ceux-là. Noisette caramel. Trop bon. Noisette. Sucré salé. Ces chips là, je raffole. Franchement, tzatziki là, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, c'est trop bon. Elles sont bonnes, hein, j'aime bien. Oui, ça va. Ça change en plus. Je préfère aux chèvres. Mais celles aux chèvres, elles sont très bonnes aussi. Mmh. Chèvre miel là, sont super bonnes aussi. Du beurre, madame a pris deux plaquettes parce qu'il va falloir qu'on fasse des trucs et tout le bordel. Donc, des petits cakes voilà. Ce soir et des petites madeleines salées. Pour le petit déj, ça c'est pour les gosses. Hop, des petites brioches. Ouais.
J'ai appris de la farine aussi. Bah oui, pour faire les cakes, il faut de la farine. Donc j'en ai repris deux. Comme ça. Ah, c'est de la base là, ça petit 55. Du 100% multifruit, donc ça c'est pour les pochetrons de soir qui prennent de la vodka et du multifruit. Ou du rhum. Du rhum, oui, peu importe. J'ai appris un stick, pour moi, au Shoya. Dites-moi, petite question, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé les nouveaux sticks en liquide. En liquide, en spray là. Le Shoya. Comment ça s'appelle? Enfin, je sais pas. En brume, c'est de la brume, c'est ça, je crois. Je sais pas, c'est un spray liquide. C'est un spray de la marque Shoya. Si vous avez testé, dites-le moi en commentaire si c'est bien ou pas. C'est des petites bouteilles, pas plus haut que ça, là, en fait. Elles sont pas. Je sais pas. Ça a l'air s'il y a des autres. Enfin, il y a des parfums, ça donne envie d'en acheter quand même. Voilà. Le saucisson plat. Le saucisson plat, celui-là, il est vachement bien, du coup, comparons au cochonou. Ouais, par contre, il faut le mettre au frigo. Ouais. Ah mais c'est avec ma trancheuse, ça va nickel maintenant. Tu me fais moins, c'est la chigueule. Et bon, 2,14€ pour la quantité, tu vois ce qu'ils volent. Ouais. Non mais celui-là il est cher, tu passes pas contre d'habitude. Si, c'est le même que j'ai dans le frigo. Ah bon. Cajoline, j'ai appris aux fleurs de Tahiré, diarrhée et baie sauvage. Comme ça vous allez bien au chiot. Non, c'est pas à manger, hein. C'est pour la lessive. Donc, voilà. Ça c'est top, ça sent trop bon ça. Des saucissons tout petits, mini snack, machin, truc bidule qui va très vite dans le gosier. Hein. Voilà. Un pack de Volvic parce que les tenons, ils étaient en morceaux. Ah, ils étaient en PLS. Émincé de poulet, donc ça, c'est soit pour une salade pour moi dans la semaine, ou soit une omelette comme j'ai fait hier soir, omelette émincée de poulet, machin, truc bidule. Si, c'est pour ta salade, ça. Oui, c'est pour ma salade. Un cœur de crème, ça, c'est pour Tiff. Chacun a son fromage, parce que. La grenadine pour monsieur, parce que la menthe, ça fait faire pipi. Ah non, mais j'arrête pas. Toute la semaine, j'ai pas arrêté. J'étais une citerne. Et je ne prends pas de café au boulot, parce qu'il n'y a pas de machine à café. Et de deux. T'as pas essayé une mec comme chez lui. Ouais, non, faut que j'essaye avec son water drop, ses bouteilles de water drop, là, qui garde au chaud. J'ai repris un Omega 3 Saint-Hubert. Celui-là, il est super bon, petit déj le matin. C'est nickel. Demi-sel. On a repris un menthe, fresh tea. J'ai repris une petite biquette, soignon. Moi, je kiffe le gruyère, soignon, comté. C'est tout. Je sais pas trop. Les autres, je suis pas. Morbier, ouais. Ah, la tome aussi. La tome, elle est pas mal. Mais sinon, mon préféré, c'est ça. Voilà, c'est la chèvre. Du coca, parce que quand même, un petit peu de temps en temps. Bah, j'en ai pas repris depuis un moment. Ouais, bah, si tu veux boire soir au lieu de boire trop d'alcool. Non, je bois de l'alcool. Et voilà les petites boules de tomates que j'aime bien. Oui. J'aime bien ces conneries-là. Ça va tout seul, ça. Oui, ça va tout seul. J'ai appris du vinaigre blanc, j'en avais plus. Au citron. J'ai vu un truc là-dessus. Mais c'est surtout pour des tartrés. Pas des tartrés, pour dégraisser les lavabos. Donc voilà. Et les cafetières aussi. Des lardons, ça doit être pour les petits cakes de soir. Non, ça ouais, parce que je crois que j'en ai plus en plus au frigo. Je crois pas. J'ai repris une grosse bouteille, c'est 2 litres celui-là. Lipton. Citron vert. Ice tea. Je sais pas, il n'y a pas marqué. Bah si, ça doit être marqué, tourne. Tournoi, 2 litres. 2 litres, voilà, c'est une grosse. Voilà. Sucre en poudre, parce que madame, elle arrive à la fin de son bac presque. Hein. Ouais, elle a mis ses 2 ou 3 gousses de vanille. Ouais. Fait, non. Donc voilà, bon, ça parfume un petit peu, c'est pas énorme, hein, faut pas rêver. Hein. Du jaffin, pareil, pêche, abricot. Et on a pris aussi framboise ou fraise framboise. Voilà, ça, c'est pour Alexis. Du parmesan, ça, c'est pour madame. Alors, elle l'a ouvert la dernière fois, il a duré une journée, puis le lendemain, il était déjà moisi. Super, hein, ça tient pas, c'est vraiment de la merde. Pourtant, ça tient bien normalement. Pourtant, ça. Tu zippes bien le bordel, ça le rend hermétique. D'habitude, ça ne fait pas ça. Je sais pas. Ça doit être pour les cakes de soir, donc un chorizo. Donc, ça, tu mets ça dedans. Je vais préparer une marmite aussi. Il y en a deux. Ah. Ouais, marqué quoi, j'ai pris du doux. Hein. Ouais, j'ai pas pris doux. Du fort. Moi, je peux pas manger trop piquant. Ce soir, j'ai oublié de prendre du raisin. Ah oui. Ah. J'ai pris des de gruyère là, pour mettre avec des petites tomates cerises. Tomates, ouais. Et pour jouer pour prendre du raisin. Ouais. Des tuiles barbecue, la deuxième boîte, pareil, il y a des fruits. Je te l'ai dit, elles sont comme ça. Moi j'ai pris pour moi des Springles. Bah, tu les sors pas ce soir. Crème d'oignon, ça c'est trop. Ah, plus d'oignon. Non. Carcadélec, ça c'est bon, ça, petit déj le matin, c'est nickel. Ça. Dans le café, tout est absorbé. J'ai plus de café.
On n'a rien, c'est rien dans la vie. Des petits jaffins pour Alexis, c'est comme les capucines, c'est le même genre. Voilà. Madame, elle a pris des fraises. Parce que Tiff, hier, nous a fait sa petite comédie. Hein, si tu regardes la vidéo. J'ai pris des fraises, je ne les mangeais pas. Voilà, je vais vous faire plaisir. Résultat des courses, je me fais engueuler pour rien. Elle va regarder la vidéo. Oh, ça va. À ma fille. Donc du coup on a repris des fraises et par contre on a pris, on a la pensé crème la crème Isigny. Faire les fraises ça va pas le faire. Ouais. Crème fraîche Isigny. Pour ceux qui connaissent pas la recette, c'est pas très compliqué. Donc ça, ça date de il y a quelques années avec James et Evelyn. Et nous avions fait goûter donc les fraises coupées, bien sûr, à part entière, je précise. Ensuite tu prends de la crème Isigny, donc en bocal ou en plastique, comme tu veux. Tu prends ton sucre, tu doses à ta façon, à toi, de ce que tu veux. Ah, on n'a pas testé avec le sucre aromatisé. Ah, tiens. Ah, ouais, c'est pas bête. Ouais. Brume, machin. Bon, on va tester une petite recette avec ça. Je vous montrerai au tu pire une petite vidéo. Voilà, pareil, une grosse. Grosse et je le mettrai en mode super lent pour. Tu sais, les tiqueteuses de timbre. Ma petite Nadia. Donc, du coup, je disais, donc, vous versez carrément si vous êtes beaucoup de fraises. Ouais, si vous avez trois trucs de barquette, c'est pas mal. Tu prévois un bon bol quand même parce qu'il faut verser ça plus le sucre. Tu le fouettes super bien, qu'il soit bien liquide quand même. Faut pas qu'il soit trop crémeux. Et après, tu mets tes fraises et tu fais couler après ta crème Isigny dessus avec le sucre. Vous goûterez, vous me direz des nouvelles. On fera une petite vidéo. T'oublies pas de la faire. Je sais pas quand c'est demain si on fait c'est demain les fraises. Voilà, si demain je fais les fraises, je ferai une petite vidéo. C'est promis. J'ai promis, ça pue. C'est trop tard. Madame, c'est prêt à fromage. Truc de moine là, tu sais, la chaussée. Moine, c'est le même genre. Sauf mystère au priori. Par contre, la croûte, elle est dure, je trouve. Non, là, elle est tout bonne. Là, ça va. On va mettre au congé. Tu vois, après, la croûte, casse les dents. Des croquettes pour les minettes parce qu'il n'y a plus de croquettes action. Donc, comme on n'y retourne pas, pas avant que j'y aille dans la semaine, mais je dirais. Mais sinon, c'est au début du mois. Ah si, on va pas y arriver. On verra au samedi prochain. Si je finis pas tard. De toute façon, pire, ce sera samedi prochain. Ouais. Sinon, tire avec Tiff et puis les gosses. Lydie, elle a pris. Miette de thon, ça c'est pour moi. Miette de thon à la tomate. C'est trop. J'ai pris la marque Saupiquet. T'aurais pu nous prendre pour nous. Vous en avez encore. Il y a encore la marque Saupiquet parce que l'autre fois j'ai pris de l'écho. Ouais, c'est pas terrible. Trop salé, mais super salé. Donc, j'espère que là aussi. Et voilà. La spéciale Nina. On a pris de la litière comme ça. Elle était à 3 euros quelque chose. Les fraises, elles étaient à 2,99 si vous voulez pris. On s'en rappelle. Donc on a pris celle-ci. On verra bien ce que ça donne. Elle est bien, les petits graviers comme ça. Normalement, ça devrait aller. Ça fait moins mal, mes petites pattes, maman. Ça fait moins mal, mais comme la vieille truie de pistache, vos chiottes et pourrit les chiottes. Ah, mais là, j'en peux même plus parce qu'il est à côté du canapé. Deux jours que la litière a fait. Elle pourrit les chiottes. Tous les deux jours, on change la litière quand même. Et donc voilà. Donc bon. Voilà. C'est les chats, c'est l'inconvénient. C'est ça. Ça pue. Sinon, il faut les sortir, mais comme elles ne sont pas castrées, je peux pas. Du thon pour les deux thons. Pour faire des petits cakes ce soir au je vous ferai peut-être la vidéo ce cela. Ah bah tu fais vite. Oh là, il va avoir trop de vidéos. Ils vont nous chambrer. C'est trop bien. Mais il faut les garder de côté les vidéos après. C'est ça. Madame m'a fait prendre donc des. Ça, on partait ça en vacances. C'était souvent qu'on faisait des pains au thon. Deux fois au thon maillot. Mais c'était une horreur pour mon estomac, je vous garantis. Elle pleurait. Les trois, ils pleuraient tellement. C'est pas bon le thon. Donc, c'est des baguettes viennoises. Elles sont super bonnes. C'est très moelleux. Du thon avec de la mayo, vous faites votre sauce avant. C'est nickel. Absolument. Avec un peu de salade et des œufs, nickel. Hein. Ah ouais, nickel. Nickel. C'est bon. Ah, c'est moi. Nickel. Non, mais c'est super bon. En plus, le pain est moelleux, donc ça prend la sauce et c'est très bon. Donc, ça sera pour moi dans la semaine. Il faut que je me fasse donc deux sandwichs. Ouais, parce qu'à force d'acheter à 2 euros, ça va vite. Ouais, hein. Ça va vite. Donc, là, t'as pour moins cher. Donc, deux sandwichs jambon, deux sandwichs pâté et puis une salade pour la semaine. Ça sera bon. Et ensuite, on a pris des danettes, hein, parce qu'on vous a dit, on en a pris un petit peu d'iode, parce que là, en ce moment, c'est un peu dur de faire. J'en ai fait. Lydie, elle en a fait dans la semaine. Mais des fois, quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Des fois, je suis fatiguée. Donc, voilà. Mimosa, des PQ, on a repris du PQ, c'est par 12. Et pareil. Croissant pur beurre, il y en a 10 à l'intérieur, donc c'est soit en barquette ou soit en sachet maintenant. Voilà, c'est moins bon, je pense. Donc là, c'est 2,50 €, oui, je crois qu'ils sont. C'est aujourd'hui, ça. Si, c'est aujourd'hui, du 26. Non, enfin, oui, 26, c'est ça aujourd'hui. Donc, c'est vrai, il ne faut pas trop se réveiller. On a pris
Du lait aussi, parce qu'avec les cakes, il faut du lait. Et les yaourts. Les cakes salés, les yaourts. Ouais, j'ai pas des yaourts comme ça. Alexis, il voulait des chouquettes. Donc il y en avait, donc vous voyez, il a pris une crête pendant que je conduisais, et ben ils ont bouffé les deux là. Hein. Ouais. Il est chié lui. Il y en avait 20. Il en reste 6. Ah, 14 qui ont été bouffés. Ouais, les chouquettes, ça descend. Bravo, bravo, bravo. On a été faire un tour à Marie-Blachère. C'est madame qui a été. Et encore, elle dit, je conduis, en plus de ça, elle dit tu vas être Tima. Je dis non. Non. C'est pour qui, fin de dernier? Non, je ah pas. Non, elle n'est pas là, pas on a pris les calots de 4, c'est vendu 3 plus 1 gratuit, c'était les petits pains au ça fait imitation, chocolat. Les roulés au chocolat, ça voilà, ça fait imitation pain au raisin, mais là c'est au chocolat. Par contre, il colle, ouais, il y a du sucre. Tu conduis on a pris aussi 4 baguettes comme d'habitude, voilà. 2 blanches et 2 normales. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, tu vois, rien. Elles étaient chaudes, bon là elles ont refroidi, ouais. Hein, entre deux. Ouais, c'est bon, pour ce soir au cas où. Mais je pense pas ce que c'est pour demain. Et après, le pain, bah, si on en a trop, soit au chien. Ou soit je fais un gâteau aussi, ou pas. Un pain perdu. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Hein. Et 15 minutes de vidéo. Oh, c'est bon, on est dans les temps. Derrière, t'as fait Volvic, oui, litière, machin, tu mets crêpes, tu vas voir. C'est bon, là, tout. Ben bah, voilà, tout est fait. Voilà, voilà. Voilà, et voilà. Sur ce, bah, abonnez-vous. Là, c'est pour celle qui adore que je fasse mon bruit. Lisa. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, invitez du monde à s'abonner à notre chaîne. N'hésitez pas, on a 8300. Ça monte petit à petit. Ouais, c'est vraiment petit. Hein. Bah ouais, on va mettre encore 1000 pour l'année, c'est chiant. Ouais, on a dit qu'on aimerait bien être à 10 000. 10 000 pour la fin de l'année, ça aurait été bien. Comme ça, on aura pu faire un big concours. Je vais vous préparer un concours aussi. Là. Le FAQ aussi. Alors, on va vous faire la vidéo FAQ là tout de suite après, comme ça vous avez cette mini vidéo, comme ça vous pourrez mettre vos vidéos, vos questions en dessous. Et puis bah, le vlog, je vais préparer sûrement demain si on fait rien. J'ai le temps, sinon ce sera lundi. Enfin, la préparation. Ça vous l'aurait dit, il faut que je mette un coup de souffleur, il faut que je répare les morceaux de palette si je peux. Si tu n'as pas le temps, ce sera demain. Oui, après, bon, hein. Demain. Là il fait beau, donc profitez. Donc on sort la table. J'ai pas fait les carreaux encore. Parce que, y a, je lui avais dit. Il y a Amélie. Non, c'est pas Mélie, c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire. Aurélie. Ophélie. Ophélie, qui m'a dit, c'est pas la peine, il y a la tempête du Sahara qui revient donc dimanche, donc on verra demain. S'il vient pas demain, peut-être qu'on les fera demain. Ou si, il va attendre qu'on ait fini de faire les carreaux, et après il va y avoir la tempête de Sahara qui va arriver. On va peut-être faire quand même les Vélux, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et dites-vous que les 4 voitures sont lavées. Hein. Non, t'as pas fait ton C-Max. Si, je l'avais fait. Si, fait. Mais il est déjà dégueulasse. Il est déjà dégueulasse. Mais t'as vu qu'il y a du truc blanc, je me demande s'il n'y a pas le ciment à l'autre quand même. Non, non, non. Et moi, je roule et je suis chez les QTRU là-bas. Je l'ai lavé, ma voiture, j'ai pas bougé. Il y a des trucs blancs dessus. Mais on roule, c'est des cailloux et de la poussière de terre. Ça fait des petits putes. Ah, je sais pas. Enfin, c'est un retour de course. C'est pas le pollen, hein. C'est un retour de course. Pas encore. Voilà. Ah. Bon, sur ce, deux gros bisous. Bon week-end. Bon week-end très, très bientôt. Donc, tout de suite après, on fait le FAQ et puis on verra la suite. Hein. De gros bisous, bisous à tous bon et à week-end.